Lorsqu'un appareil sort des chaînes de production, on dit dans le jargon que c'est un green, en rapport avec la couleur verte de la peinture anti-corrosion appliquée sur la carlingue. Une fois la surface préparée, l'appareil est lavé à l'eau ou avec des lingettes imprégnées de solvant. Et ce n'est qu'ensuite que l'on entre dans la phase de peinture, une opération qui prend entre 6 et 13 jours selon le type d'appareil. Il y a différentes applications. La première, c'est ce qu'on appelle une couche d'accrochage. La deuxième, c'est une couche d'anticorrosion. Ensuite, on attaque la peinture finale qui est celle qui est visible par le passager. Un peu de vernis pour finir et l'appareil est fin prêt. Il faut une centaine de litres pour peindre un moyen courrier et jusqu'à 500 litres pour un Airbus A380. Au cours de sa vie, un avion est repeint plusieurs fois, un moyen courrier tous les 5 ans, un long courrier tous les 7 ans.